वो दिन कितने प्यारे jour lorsque Baba était avec nous et le jour lorsque Baba est encore avec nous. Les versions élevées de Bab Dada. Le pouvoir de transformation. Le premier pouvoir de transformation est celui de la forme et de votre nature. L'ancienne nature vous trompe dans votre vie d'effort. Vous comprenez même que votre nature n'est pas juste et qu'elle vous trompe de temps en temps. Vous comprenez cela? Mais néanmoins, vous êtes sous l'influence de votre nature. Vous comprenez cela, même que votre nature n'est pas juste et qu'elle vous trompe de temps en temps, mais vous êtes sous l'influence de votre nature et alors vous vous justifiez. Vous dites, ce n'était pas mon intention. Ma nature est comme cela. Je ne l'ai pas voulu, mais ma nature est comme ça. Votre naissance a changé, vous êtes devenus des brahmines, donc votre naissance a changé, n'est-ce pas? Vos relations ont changé, votre père a changé, votre mère a changé. Votre famille a changé, mais votre nature n'a pas changé. Quels sont les mots royaux que vous utilisez alors? Vous dites, ma nature est comme ça. Donc, la première faiblesse est la transformation de la forme. La deuxième est la transformation de votre nature. La troisième est la transformation des pensées. La forme, la nature et les pensées. Transformer le gaspillage en puissance en une seconde. Transformer le gaspillage en puissance en une seconde. Les enfants, je suis toujours avec vous. Toujours. Avyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. La transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. Om Shanti.
Natural nature means. La nature naturelle signifie les sanskars. Le sanskar éternel, que votre nature soit constamment comme celle du Père, c'est-à-dire d'être constamment un donneur de bénédictions, de constamment élever ceux qui vous critiquent et d'être constamment miséricordieux. Quand vous adopterez cette nature, vous n'aurez pas à faire d'efforts. Afin que la nature vous apporte du bonheur, adoptez votre nature originelle et éternelle. La nature, cela signifie vos sanskars éternels. Si vous restez sous l'influence de votre nature de conscience du corps, vous perdez sans cesse courage. Vous dites pour cela que vous comprenez tout, que vous le voulez, pourtant, telle est votre nature. C'est aussi l'expression de la conscience du corps. Maintenant, transformez votre vieille nature et les vieux sanskars en Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumika qui nous souhaite la bienvenue à Vyakti Parivar, novembre 15, la transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. Aujourd'hui, le thème, c'est la nature naturelle, signifie les sanskars éternels. Maintenant, nous allons entendre Monitidi, plus tard, il y aura Brother Ken avec nous.
Om Shanti, everyone. Om Shanti, à chacun. Beaucoup d'amour de Shantivan. C'est très beau ici. De voir la famille illimitée de Baba. C'est empli à Shantivan. C'est comme un océan de gens. À chaque fois que nous écoutons les signaux avyaktes, si vous écoutez très attentivement, Baba nous donne plusieurs outils, des méthodes pour devenir ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel est définitivement puissant ces jours-ci. L'air, la nourriture, tout, nous voulons tout, que ce soit naturel et propre. Il n'y a rien de pur, même dans le lait, ils ont ajouté des choses, ils ajoutent des choses partout. D'une certaine façon, c'est un supplément, mais c'est altéré. Mais j'ai pensé que c'était une très belle méthode que Papa nous a donnée de penser, à quel sanskar, pardon, je dois cultiver, parce que si nous portons attention à cultiver ces sanskars, comment cultivons-nous les sanskars? Nous comprenons, nous y pensons, cela revient dans, cela se transfère dans nos actions et nos mots, et ça devient notre attitude, et ensuite ça devient un sanskar. Parce que nous devons voir quels sont les sanskars que j'ai, d'où émergent-ils de ma nature. La nature a deux natures. Le côté, c'est de ma nature personnelle et l'autre, c'est la nature, les éléments. Donc, nous sommes contrôlés par la nature. Nous l'appelons Subhav et cela vient des sanskars. Alors, voyons, les sanskars de Baba sont celui de donneur de bénédiction. Donc, en ce moment, nous devons penser, parler et aussi dans nos actions, devenir les donneurs de bénédiction parce que lorsque vous partagez des bénédictions, le pouvoir vient à vous. La bénédiction, vous les donnez à l'autre, mais les pensées sont dans votre esprit. Donc, toutes ces bénédictions travaillent sur vous. Ensuite, Baba dit, ce qui vous diffame, Brahma Baba a aussi dit à la fin, qu'ils sont vos amis. On ne devrait jamais changer nos sentiments pour ceux qui nous diffament. Et ensuite, devenir miséricordieux. Donc, vous serez encore capable de donner. Non pas seulement que je ne prends pas les critiques, mais aussi être miséricordieux. Ce sont trois qualités très importantes d'être donneur de bénédiction et aussi le pardon, pardonner. Et la troisième, c'est d'être miséricordieux. Si nous portons attention
et que nous utilisions ces vertus dans nos actions, je pense que notre nature va définitivement se transformer. Maintenant, si vous voulez être heureux, alors notre nature, à ce moment-là, doit être éternelle parce que la conscience du corps, dans la conscience du corps, nous avons la vieille façon. Nous nous sentons, nous avons une nature très sensible et nous pensons à tout ce que nous ne devrions pas penser. Si quelqu'un fait quelque chose ou dit quelque chose, c'est sa nature. Pourquoi est-ce que je devrais en être affecté? Bien sûr, c'est la conscience du corps. Une autre façon de se transformer, c'est de vous rappeler de votre nature éternelle. Et la nature éternelle qui est aimante, paisible, pure. Donc, la nature éternelle aussi, et cela va devenir vos sanskars. Now, how do I know that there is influence of body consciousness? Maintenant, comment est-ce que je fais pour savoir qu'il y a une influence de la conscience du corps? C'est intéressant de voir qu'est-ce qui nous influence. Souvent, nous ne le savons pas que c'est la conscience du corps et la conscience du corps. Apporte de l'influence sur toute la nature. Si vous avez une nature de vous fâcher ou de faiblir et que vous laissez vos sentiments être blessés, prendre de la peine, chacun de nous savons quels sont les principaux Another is my own eternal nature. These two practices are very important. Et l'autre, c'est ma nature éternelle. Ces deux pratiques sont très importantes. J'aime beaucoup. You find you are getting confused or you are getting que vous deveniez confus ou affecté, que vous ne sentiez pas fort. Just think about eternal. Juste pensez à votre nature éternelle, à ces moments-là qui est la pureté, le pouvoir, l'amour. Et lorsque vous créez cela et que vous pensez aux trois qualités de Baba, parce que tout dans la vie est une question de pratique. Même s'il y a un excellent ingénieur ou docteur, ils doivent pratiquer. Donc, ils ne seront pas capables d'accomplir leurs tâches sinon. Which I think Baba's children can do more. But on peut vérifier. On peut savoir que les enfants peuvent faire encore plus. Peut-être qu'il y a un manque d'attention. Un manque de but, c'est parce qu'on ne pratique pas assez. Si vous ne pratiquez pas, la transformation n'arrivera pas, ne se fera pas. Ce sentiment d'être élevé, sentiment de voler, d'être très léger, heureux, d'être constant aussi dans ses sentiments. Nous devons, pour cela, nous devons avoir une très bonne pratique. Et je pense que le contentement dans la vie brahmine, c'est lorsque vous sentez
que vous faites assez d'efforts, que vous ressentez votre transformation. Vous ressentez que vous changez, que vous progressez, qu'il y a un progrès, tout cela apporte du contentement lorsqu'il y a de l'amélioration. Et si, par contre, si vous vous sentez toujours pareil, les mêmes sentiments, la même routine, je pense que ceux qui ont un but trouvent le temps. Ils peuvent trouver le temps, même quelques minutes, chaque heure ou chaque quelques heures, parce qu'ils se gardent emplis. Et aussi, ce que j'ai remarqué en ce moment, ce qui est requis par la famille et le Yagya, c'est que chaque pensée, chaque moment, soit dans le souvenir, afin que vous puissiez donner sa cache. Il y a beaucoup d'éclipses, des obstacles qui viennent. Ils viennent quelquefois individuellement, mais aussi collectivement. Comme ces jours-ci ici, c'est une vague, c'est une influence. Si vous attrapez le rhume ou une allergie, que vous avez froid et que vous toussez, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être prudent, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes prudents, ici, donc, personne ne porte de masque ici, mais commence à les porter. Tout ce que vous pouvez faire pour vous protéger, en fait, vous le faites. C'est la même chose. Disons que soudainement, une vague, vu que tout le monde veut du respect, c'est comme une sorte de vague. Et que je ne veux pas être dans cette vague. Hier, Baba disait, lorsqu'il y a un courant, c'est très fort. Quelquefois, vous ne devez que vous laisser porter par le courant, mais nous ne devons pas nous se laisser aller dans le courant, nous devons devenir forts et ne pas être influencés. Il pourrait y avoir de la compétition, de la jalousie, mais protégez-vous. With the shield of yoga. Avec l'écran du yoga. C'est aussi une façon que vous pouvez aider les autres âmes. C'est tellement intéressant que puisque nous sommes presque à la fin du voyage, Maya va faire beaucoup d'efforts pour prendre notre respect de soi, que l'on perde tout cela. Je garde toujours Brahma Baba devant moi. Parce que ce que j'ai remarqué, bien sûr, parce qu'il était très, très introverti, mais aussi très léger, très joyeux, et je pouvais ressentir combien d'attention il avait sur lui-même. Je pouvais voir combien il avait d'attention sur lui-même, même lorsqu'il s'assoyait avec tout le monde. Et bien sûr, lorsque nous nous asseyons avec Baba, il ne parlait jamais pendant qu'il mangeait, mais il portait une attention spéciale, extra, pour être dans le souvenir. Donc, maintenant, c'est le temps pour nous. De devenir introverti, d'être des faiseurs d'efforts subtils. Cela ne veut pas dire que vous ne communiquez pas ou que vous ne parlez pas et que vous soyez léger. Non, vous devriez le faire, mais intérieurement.
Parce que c'est notre contribution. Cette contribution est nécessaire dans la famille, dans le yoga à ce moment. Je pensais, comme lorsque nous sommes entrés dans le centre de Miami, donc ils ont mis quelques grains et don't see the net, so they come to eat the grains, and they all caught up in the net. Donc ils avaient mis un tissu par-dessus des grains, et les oiseaux étaient venus manger les grains. Ils étaient pris dans le tissu ou dans le net, mais le maillet est pareil. Et elle met quelques grains pour nous attirer, mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose que je vais commencer à le faire. Nous devons être prudents de ne pas être pris dans le net. Le net, je pense qu'elle veut dire le filet. Et ensuite, parce qu'ensuite, nous voyons que nous sommes pris et que nous appelons Baba. Mais nous avons perdu, non? Alors, soyez prudents, soyez joyeux et pratiquez votre nature naturelle, votre niveau naturel. Et rappelez-vous de Baba comme le donneur de bénédiction, de pardonner, de ne pas avoir de sentiments mauvais pour personne et aussi d'être miséricordieux et afin que vous puissiez continuer à donner Om Shanti. La transformation des vieux sanskars et de la vieille nature. La nature naturelle signifie le sanskar éternel. Que votre nature soit constamment comme celle du Père, c'est-à-dire d'être constamment un donneur de bénédiction, de constamment élever ceux qui vous critiquent et d'être constamment miséricordieux. Quand vous adopterez cette nature, n'aurez pas à faire d'efforts afin que la nature vous apporte du bonheur. Adoptez votre nature originelle et éternelle. La nature, cela signifie sanskar éternel. Restez sous l'influence de votre nature de conscience du corps, vous perdez sans cesse courage. Vous dites pour cela que vous comprenez tout, que vous le voulez pourtant telle nature. Mais c'est aussi l'expression de la conscience du corps. Om Shanti. Om Shanti. So here, today is Bhaktadas Day, but for you, it's tomorrow's Bhaktadas Day. Elle dit, Bhumika dit, aujourd'hui c'est le jour de Dada, mais pour vous c'est demain le jour de Dada. So avec the Bab Dada Milan. Donc, la rencontre, le 17, temps a été changé à 7h30. Ils vont faire aussi avec Avyakti Parivar. And for Hindi, we'll have breakout room in Avyakti Parivar Zoom. Donc, ils vont avoir anglais pour. You are welcome to do so.
And sur Zoom, ils vont avoir en anglais dans la pièce principale et les autres, ça va être dans d'autres salles. Bienvenue à Viette Journey, le voyage à Viette. Vivre et servir avec votre famille brahmine. Les Brother Ken. Om Shanti Mumi. Om Shanti Didi. Om Shanti à chacun. Aujourd'hui, je pense que je vais partir à propos de l'aspect principal de servir avec la famille, c'est la communication. Je pense que si nous faisons un sondage pour voir quels sont les plus grands défis, moi, je dirais vraiment que la communication doit être augmentée. Quelquefois, nous comprenons que nous sommes, que c'est faux, mais nous continuons. La nature veut dire le pouvoir, veut dire la propreté. C'est cela que la nature nous enseigne, que ce soit les arbres, le ciel, les rivières. Il y a une raison pour laquelle nous utilisons le mot nature. Lorsque la nature est naturelle, il dit dans la nature, tout est en harmonie. Mais quelquefois, bien sûr, il y a des tempêtes, mais après, tout redevient calme et harmonieux. Nous avons aussi une nature très profonde d'être en harmonie, d'être OK, d'être un donneur. Mais il n'y a rien comme la communication pour apporter le plus mauvais en soi. Donc, nous devons être respectueux, nous devons nous protéger, protéger les autres. Si je suis dans ce niveau constant de contentement de la nature naturelle, comment serait la communication? Et lorsque nous nous éloignons, il y a toujours des problèmes que Baba en parle, qu'il y a des problèmes dans notre service, Il parle très vite ce soir, notre frère. Des gens, bon, Baba en parle aussi. Les gens pensent qu'ils sont OK, qu'ils sont tout à fait corrects. Mais vous les amenez dans une rencontre et vous allez voir comment sont les sanskars. Il y a tant d'obstacles dans la communication. Avec ce « je et bien », pourquoi est-ce que je n'ai pas été consulté? Pourquoi est-ce que vous avez impliqué cette personne et pas moi? Même Baba en parle dans son mur. Pourquoi est-ce que mon tour ne vient jamais? Nous devons... Le Yagya veut savoir si vous êtes un instrument. Il a besoin de savoir que vous faites quelque chose pour le Yagya. Donc, il disait que si vous faites une erreur, vous devez la communiquer. Sinon, tout le monde va penser que c'est OK, mais peut-être que ça ne l'est pas, mais aussi dans nos relations. Nous voyons. Nous avons besoin d'écouter encore plus et de parler moins. Donc, à ce moment-là, nous préservons notre silence et nous pouvons communiquer. Il y a deux qualités spéciales, principales lorsque... Non. Ah.
Baba dit le maître et l'enfant. Et lorsque j'écoute, je peux aller dans mon côté d'enfant. Et parce que je dois écouter pour comprendre. Et non pas écouter pour être compris, mais pour comprendre. Alors, si je ne suis pas dans cette conscience, intérieurement, je ne suis pas content. Donc, si je suis content, je suis OK, je suis en harmonie. Il n'y a aucun désir de dire ou d'interrompre quelqu'un. Ou de... L'autre jour, j'ai rencontré un brahmine qui argumentait sur... qui faisait des commentaires sur... Donc, quelquefois, une certaine arrogance est difficile à comprendre. Il disait, je suis en charge, tu dois m'écouter, je ne sais pas. Excusez-moi. Lorsque nous nous interagissons avec les autres, nous devons être respectueux. Nous sommes des âmes dans la même famille. Bien sûr, un ministre, il y a une hiérarchie. Mais ici, dans la famille, personne n'est meilleur ou pire que l'autre. Nous devrions être prudents avec cela. Je vais vous montrer quelque chose. Et je sais que ce sujet, c'est un grand sujet. Je pense que j'ai pensé que je devrais le faire en deux parties, mais je pense que ça va être correct. Je vais vous le montrer. Ça vient du cours, le cours de Dana Base Leadership. Si vous n'êtes pas clair à propos de la façon pour déléguer, regardez ce qui arrive dans la communication. Lorsque vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, il y a une bonne façon de le faire. Le coordonnateur national voit ça de cette façon. Il est organisé comme ça. Donc, c'est la façon que le coordonnateur national visualise un arbre avec trois sièges. Ça, c'est l'opinion du cœur du service comme le conseil. Il voit seulement avec deux. Donc, il y a déjà une différence. C'est ce que les NC veulent et ici, c'est ce que les gens du... Ici, c'est comment ça a été écrit dans les guides. Les instructions, des fois, ne sont pas claires et ne sont pas assez claires pour qu'on puisse les suivre. La clarté doit être là lorsqu'on nous donne des instructions. Et ensuite, nous écrivons ces idées. Et donc, les autres doivent les lire. Peut-être que ce n'est pas facile de les comprendre. Donc, c'est ce qui arrive lorsque... Ici, c'est comment les coordinateurs de centre ont donné les instructions. Donc, c'est ce que le groupe des centres, les collaborateurs, ont été capables d'installer. Il y a des instructions, c'est pas très clair. Et voilà ce que le centre avait vraiment besoin. C'était un pneu. C'était une balançoire de pneus et non pas une balançoire en bois. Ici, c'est comment nous supportons le programme. Alexi Parivar, c'est un grand exemple de support et de nous devons reconnaître qu'ils ont été capables de créer une équipe qui travaille très, très bien
et aussi avec une bonne communication entre eux, c'est finalement, ils ont eu du soutien pour leur plan généralement. Ici, c'est où nous échouons, nous ne documentons pas assez comment faire les choses, afin aussi que les autres pays, les autres centres puissent en profiter. Donc, ça fait pitié vraiment, car rien de documenté. Alors, toute cette séquence, c'est s'il y avait vraiment une communication claire depuis le début, ce que le centre veut vraiment. Donc, ensuite, il demande au coordonnateur national et au conseil de coopérer. Ensuite, il se rend compte, il pose des questions. Et après, vous divisez qui doit faire quoi. Mais si vous déléguez quelque chose, vous devez le communiquer très clairement. Si vous recevez quelque chose, c'est la majorité d'entre nous. Il y en a, si on le fait correctement, il y en a qui vont venir et demander qu'est-ce qu'on peut faire pour le service. Et c'est naturel. Mais je dois laisser le je et moi de côté. C'est Baba qui est en avant. C'est Baba. Il est en haut, il est en arrière de nous, il nous soutient, il nous pousse, il nous pousse où nous en avons besoin. Baba, c'est la colonne vertébrale, et aussi Baba est entre nous. Lorsque je parle à quelqu'un, donc c'est précis avec le drama, la communication. C'est par ma communication que je peux montrer combien je suis proche de Babdada et combien je ressemble à Babdada, donc que je deviens Babsaman. C'est de la façon que je parle aux gens, que j'écoute les gens. Je ne suis pas armée. Je n'y vais pas armée contre quelqu'un, qu'il y a une arme contre quelqu'un. Parce que la langue aussi peut être une âme. La langue peut être sarcastique, ironique. Quelquefois, on fait des mauvaises blagues, mais nous pouvons aussi utiliser notre bouche pour partager les joyaux que Baba nous donne. L'essence de la pure communication, ce sont des mots qui viennent à travers la bouche, ce sont des outils. Non pas des joyaux de la voix, mais aussi des bijoux d'idées pour le service. Donc, c'est seulement la base de la communication. Et je vais en parler un peu plus dans la prochaine session, mais restez branchés parce que c'est un sujet qui est tellement vaste. Le service n'est pas seulement à propos de faire et de penser, mais il y a aussi la façon de parler, de communiquer. Tout ce que je pense va venir à travers ma bouche et aussi à travers mes actions. Nous pouvons gagner beaucoup de points en parlant comme il faut. Baba dit, parler doucement, parler gentiment. Et nous devons porter aussi plus attention lorsque vous parlez plus lentement. Et lorsque vous parlez trop vite, les gens n'écoutent pas. Donc, nous devons porter attention. Nous devons ressentir comment les gens se sentent. Et ensuite, nous allons partager ce que... Donc, la façon aussi que quand je donne la connaissance, l'art de la communication, c'est les relations dans le service, c'est très, très utile. Ça va être très utile, la façon que nous faisons le service, comment nous communiquons avec les autres, comment nous allons donner le message de Baba. Donc, c'est un sujet très vaste. Alors, allons en méditation, méditons un peu.